right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Je meurs d'envie de faire pipi, ça te dérange pas? Moi j'ai envie de pisser aussi, je bois des bières depuis tout à l'heure, on va y aller. Pardon? C'est quelqu'un derrière moi, je te jure, j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai? Tu sais que tu étais peut-être un peu humour, foulé ouais. Ou un truc comme ça? Voilà, ça doit être ça, je promets, j'arrive pas à me concentrer, vas-y. Vas-y, t'en vas voir, vas-y. Vas-y. Par contre, j'adore un truc, c'est pisser dans les lavabos. Ah oui? Ouais. Bah vas-y, fais-le si tu veux. Non, j'ose pas. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Attends, t'aimes pas quand il y a quelqu'un dans ton dos, t'aimes pas quand il y a quelqu'un qui rentre. T'es pas facile à vivre, hein. Il y a une réplique dans la pièce qui dit « Je t'aime et j'ai besoin de pisser ». Le mec, il se lève et il va pisser. Et il revient avec plein d'idées. J'espère que ça va me donner des idées aussi. Tu vois, moi je fais pipi sans problème alors que t'es dans mon dos. Hein. Ouais. J'ai confiance, moi. C'est parce que t'as l'habitude. Il y a des gens qui peuvent pisser partout, il y en a d'autres qui peuvent s'endormir n'importe où. Et toi, tu peux quoi, alors? C'est quoi ta spécialité? Moi, je peux pas pisser partout. Mais je vais essayer de me concentrer, tu vas voir. En revanche, moi, ce qui m'ennuie quand tu fais pipi dans les urines noires, c'est que tu peux pas t'essuyer. Mais je me suis jamais essuyé. C'est la différence entre les gens qui sont circoncis et ceux qui sont pas circoncis. Ceux qui sont circoncis, ils ont pas besoin de s'essuyer. Ah oui? Ben non. Pourquoi? Ben c'est très connu, parce qu'ils ont pas cette espèce d'énorme peau qui entoure leur sexe pour... Ah oui. Tu vois, alors nous, les circoncis, les juifs, les musulmans, les hygiéniques... et les malades. Mais non, pas ceux les malades. Qu'on a dû, ceux non, qui, ceux qui se lavaient pas quand ils étaient petits, qui ont attrapé un phimosis. De plus en plus. Et soit c'est long, soit t'arrives pas du tout à pisser. Ah si, ça y est, moi c'est long, c'est tout, c'est toute la soirée. T'as bu de la bière aussi? Oh, j'ai bu de tout, je crois. Je me souviens plus. T'étais où? Oh, la réponse. Non, mais t'es pas circoncis, toi? Non, je suis désolé, non. Ah ouais. Lui, il est amoureux, il est fou amoureux. C'est lui qui est amoureux. Il m'a fait une confidence tout à l'heure. Manu. Oui. Pareil que t'es amoureux. Oui, fou amoureux. Ah oui. Ouais. D'une femme? Oui. Ça fait plaisir, tu sais comment il en parle? Comme si j'avais 15 ans, 16 ans. On va manger un petit truc juste à côté. C'est un truc où je vais très souvent après le théâtre. T'es déchiré là? Je peux casser la tête de ta gueule. Je suis déchiré. T'es bien déchiré. Mais j'aurais bien voulu le voir, ce maudit film là, la mobilette qui décolle. Mmh. Ça, c'est celui du cousin. C'est un film que j'ai fait avec Merza Kalouach. Ouais. Celui qui est allé aux Oscars? Ouais, ouais, ouais. Qui a failli avoir un Oscar, mais je n'ai pas eu l'Oscar. Mais ben moi, je vais te l'attraper. L'Oscar? Allez, va me le chercher, tu me l'amènes. Je peux te dire que je te donnerai très cher pour ça. Si je gagne au foot, là, tu peux être certain que... Avant, il avait... Tu joues au foot? Comment? Tu joues au foot? Avant, il avait une barbe comme ça, lui. Il avait une énorme barbe, il avait des gros cheveux. Hein? Tu te souviens?
mais ma parole. Puis en plus, je vois plus ton frère. Bah, mon frère. Je suis tombé sur ton frère. J'essaie de lui donner un coup de main, il veut rien savoir. Bah, il est spécial, mon frère. Et il vient en renfort. Ça va? Ouais, bien, tu vas bien? Ouais. Alors lui, c'est Ahmed. Salut Ahmed. En anglais, Ahmed. La chèvre. La chèvre, qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Où la chèvre? Elle gambade. Elle gambade où? Dans le pré. Ça fait 2 jours que je la cherche. C'est quoi cette chèvre dont tout le monde te parle? Mais c'est un truc de mon spectacle, ça, la chèvre. J'ai oublié ça. C'est la chèvre de M. Seguin. C'est un personnage qui s'appelait Abdelzark et qui fait la chèvre de M. Seguin, donc les gens le demandent. Moi, je vais prendre un tomate mozzarella classique. Ouais, classique. Moi, un jambon fromage classique. Tu vois, voilà, tu vois, c'est ça, ouais. Ils attaquent le halouf, quoi. Tu vois. Voilà. Moi, je peux pas manger de jambon, tu vois. Il y a des choses que je peux pas faire. Ça, il y a des trucs que tu sais pas, alors. À quel point le jambon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à la vitrine, là? Un peu de bousculade, quoi. Hey, les gens sont tellement pressés de manger, tout maintenant. Tout à fait, bah ouais. Non, attends, c'est plutôt les mecs bourrés qui viennent ici le soir et qui déconnent. J'ai jamais mangé de jambon de Bayonne. Le jambon de Parme. Le jambon de Bayonne. C'est bon ça? Le jambon au torchon. Je cherche 19. Tu vois, à chaque fois que j'étais avec j'avais des petites copines qui mangeaient du jambon, je leur disais putain, je pourrais pas t'embrasser tout de suite après et tout, c'était hard. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais. Mais bon. Non, jambon, non, tu vois, attends, on vient de parler de pendant une demi-heure du jambon. Le jambon. Merci. Tu vois, ça c'est le seul endroit de Paris où. Dans le panini, c'est du fromage qui coule, regarde. On dirait une pub. Tu vois, c'est ça du jambon, là. Ouais, mais... Le truc rose, là. Tu vois? Mais tu vois, celui-là, il me donne pas envie. En dehors du cachet ou pas, il me donne pas envie. Par contre, la charcuterie, genre italienne, tu vois, ou les fines tranches, le jambon fumé, tout ça, ça, j'en ai envie. Mais je le mange pas. J'aime bien cette idée-là, comme je te dis, de choses qu'on aimerait faire, mais qu'on peut pas faire. Il y en a d'autres? Ouais. Quoi? Me faire enculer. Tais-moi bien. Prendre de la coke. Et comme ça, 3-4 choses que je ferai jamais dans ma vie. Viens là, tu te présentes mon pote. Ouais, je connais Tom Novembre, c'est ça? Non, c'est pas... Bon. C'est une mentalité du chef. C'est là que tu me fais... On regarde à la télé. Faut lui dire que je suis pas Tom Novembre. Enfin, j'aime beaucoup Tom Novembre, mais c'est pas moi. Ah, monsieur, tu t'es gouré. C'est dommage. Ah, monsieur, vous pouvez pas me faire rire vite fait avec votre chef? Là, rapido, comme ouais, ça. Comme ça, votre chef. Elle déchire, votre chef. Sérieux? Ah ouais. Vous l'avez vu où? En cassette, à la télé. J'arrête pas de me la repasser. Elle voulait gambader. Ça fait rire, c'est un classique ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah moi ça me fait plaisir en fait. Bien sûr, c'est normal, on passe en voiture, on a l'habitude de venir manger chez monsieur. J'ai dit tiens, soir, Gad Elmaleh, ça tue. Non? Ça vous devez apprécier le sandwich de monsieur. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime le jambon lui. Mais non, j'aime pas le jambon, je mange pas de halouf. Bah si, c'est bon le halouf. Pas fait exprès. Ah, franchement, vous suivez. Ah, mais. J'aimerais bien vous suivre un peu. On s'est pas vu au 2 plus 2, toi et moi? Non, 3 plus 3 plutôt. Non, regarde. Tu as pas du feu, toi? Ah bah. Si, attends. Homme sans feu. Homme sans feu. Attends, comment on a fait pour ce soir exceptionnellement tomber que sur des Marocains? Homme sans feu. Tu sais ce qu'on dit, Gad? Homme sans feu, homme sans. Kadosh. Qui c'est? Jackie? Non, comment il s'appelle déjà? Lui va me faire le plan. Tu connais pas la cousine? Les plans qui s'en finissent jamais. Regarde, c'est-à-dire lui il a même pas terminé son plan, l'autre il a déjà commencé. Ça veut dire que lui il a même pas. Regarde, l'autre il a déjà commencé, vas-y. Parce que lui c'est un plan fort. Vas-y. Ouais, je connais bien. Ouais. Mais en général, il se passe plus rien. Après, j'ai dit je connais, après, il se passe plus rien. Oui, je le connais. Allez, vas-y, dis-moi maintenant. Quitte à son mariage. Voilà, et alors, vas-y. Tiens, attends. Ah, on va recommencer. Voilà, c'est... Attends, vas-y, envoie-moi ton plan de ta cousine qui est la belle-sœur de mon beau-frère. Non, qu'un pensé. Tu l'as pris ou pas? Tu l'as pris ou pas? C'est le frère de mon beauf. Le frère de ton beauf? Ouais. Tu me dis ça comme si je le connaissais depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il me regarde avec un air, genre, putain, gars, déconne pas, on se connaît depuis 10 ans. Mais c'est la première fois que je te vois, on est à Bastille, putain, qu'est-ce que tu me fais, toi? C'est la première fois de ma vie que je le vois, il me dit, gars, déconne pas, je connais, c'est mon beauf, putain. Il est né avec Kadosh. Ouais, je le connais. Voilà. Tu vas voir, ça va foirer à la fin. Ouais, sa belle-sœur. Elle était au mariage, une blonde, ouais, mec. Allez, bonne soirée. Bye.
Non, non, dis-moi. Non, non, non. Ah, c'est son frère. Tu vois, parce que c'était pas mariage d'un. Non. Oula. Non, vas-y. C'est même plus. Non, mais c'est même plus. C'était. Quel mariage? Ah, t'as parlé à un moment, t'as dit une phrase. Le mec il est en train de. Regarde, attends. Regardez, ouais, le mec il est en train de me dire que t'étais à un mariage, une fille blonde, elle t'a parlé à un moment. Et moi je suis censé me rappeler qu'il y a une fille dans un mariage, elle m'a parlé à un moment. À un moment. J'ai rigolé. Et si je me rappelle pas, il va être vexé. Mais dis-tu toute la communauté va dire. Comment il se passe.